La minute rugby. Je suis avec Léo Bastien de l'Erac. Léo, la victoire aujourd'hui, elle va vous faire du bien? Ben, on s'était dit qu'il fallait impérativement gagner, donc objectif rempli. On sait que la manière n'y est pas vraiment, mais voilà, c'était notre seule priorité, notre objectif principal, c'était une victoire aujourd'hui, il est rempli. Maintenant, on va continuer tous ensemble à travailler pour trouver tous ensemble nos repères dans cette Fédérale 1, et surtout nous, nos propres repères dans l'équipe. Et je pense qu'on va essayer de monter petit à petit en puissance. Alors, du coup, vous avez eu très peu d'occasions d'essai, vous êtes beaucoup appuyé sur le pack, au pied aussi, sur le pied, ce qui a fait la différence aussi. Ouais, on a été assez propre sur notre conquête, ça c'est un objectif aussi qu'on ciblait, un secondaire. On voulait que notre mêlée soit forte, on l'a été aujourd'hui, notre touche a été bien aussi. On a pu concrétiser quelques points au pied. Maintenant je pense qu'on a une petite crispation, peut-être qu'on avait aussi beaucoup de pression parce qu'il fallait vraiment le gagner ce match-là. J'espère que petit à petit, au fil du temps, cette pression va un peu se lâcher et qu'on va aussi lâcher notre jeu sur l'extérieur et réussir à se trouver. Je pense que c'est une chose qu'on peut aussi mettre en place, mais il va falloir prendre le temps de la mettre en place. Je discutais avec Eric là, qui me disait qu'il a senti qu'il n'y avait pas une envie, il manquait d'envie sur cette rencontre. D'appétit. Ouais, je sais pas si c'est l'envie ou j'ai l'impression qu'on a tous un peu un petit frein à main qui nous gêne. On a du mal à enchaîner les temps de jeu. On est un peu crispé. Je pense qu'il va falloir qu'on trouve petit à petit, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, des repères ensemble et surtout des solutions à ça pour se décrisper un peu. Et je pense que ça va pouvoir nous aider et au tableau d'affichage aussi, et même prendre plus encore de plaisir. Et peut-être que le jeu va nous amener derrière plus de combats et inversement et pouvoir se mettre petit à petit en place. Il va falloir. Du coup, cette crispation, c'était quoi? C'était l'enjeu de la rencontre déjà? Ouais, c'est cette petite pression de. Je sais que moi, j'étais pas là l'année dernière, mais bon, ils avaient battu Gaillac en finale, donc peut-être ça. Un peu cette chape de ne pas avoir. Je pense que le premier match de la première journée, ce 16-0 qui se finit en 16-19, ça nous pesait peut-être aussi un peu sur le dos. Voilà, aujourd'hui, on a obtenu cette première victoire. Maintenant, on va voyager un peu plus sur le prochain bloc, et puis on va rejouer aussi à la maison, et on verra si. J'espère qu'on aura plus cette chape de plomb sur les épaules.